il faut le chaos. On est d'accord? Il faut faire émerger un nouvel ordre à partir d'un chaos. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, créer des microbes, des virus et balancer dans la nature. Attaque! Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, de ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. Ah ben, allez-y rapidement. Allez, oh, tac, 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 tac. Contrôle. C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que, mes amis, si l'on vous disait tout là, beaucoup vont s'écrouler, mais c'est pas possible. Bah oui. Et on crée un chaos, une guerre, une pandémie. Et un attentat. Ah, le trou, le trou. Voilà ce qu'on va vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, les, n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh Seigneur, sauve-nous. Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive. Cette crise n'aura pas de précédent, hein, sera sans précédent. Et effectivement, cette crise-là qui est déjà là, on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts, mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement. Là. C'est une crise sans précédent et c'est à l'issue de cette crise-là que, officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Et le nationalisme, Dieu m'avait dit de vous dire, il y a deux ou trois ans, que le populisme, le nationalisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Vous vous rappelez de cette prophétie? Et c'est en train d'arriver. Ça va être terrible. Cette crise qui arrive, qui est déjà là, on va l'annoncer bientôt, va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France, des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Des populations. Beaucoup de gens vont se suicider. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. Le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps, pour préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. C'est pour cela tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Parce qu'on se rend compte qu'on vit avec des fous. Que tout peut péter. Eh bien, il y a l'angoisse. De l'angoisse. De la peur. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Mes amis, je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont être des milliardaires, ils vont pleurer.